le professeur Maurice Canto a été kidnappé à Douala. Maître Noki brise le silence. Elle réaffirme son engagement avec le professeur Maurice Canto. Elle a été plusieurs fois soupçonnée et accusée d'avoir cédé aux offres du régime Biya et d'avoir trahi la lutte pour l'arrivée de la variété au Cameroun. Maître Michel Nonki a enfin évoqué ses allégations et réaffirmé son engagement aux côtés du professeur Maurice Canto et du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, dont elle est la première vice-présidente de la section féminine. Suite à la décision du MRC de boycotter les élections législatives et municipales, plusieurs de ses cadres, dont Maître Michel Nonki, ont clairement pris leur distance avec le conseil d'administration du parti. Cette approche a été considérée par certains partisans du MRC comme une trahison qui a conduit à toutes sortes d'attaques contre sa personne sur les réseaux sociaux. Pour remettre les choses au clair, Maître Nonki a saisi l'opportunité de l'enlèvement du professeur Maurice Canto à Douala. Lors d'une sortie sur les réseaux sociaux lors d'une émission organisée par des militants de la diaspora et à laquelle participait le célèbre opposant au régime Biya, Blaise Essama, elle a justifié son silence. Elle est persuadée d'être sous la pression du régime de Yaoundé et peu disposée à coopérer avec le gouvernement actuel, comme certains l'ont déclaré. La rédaction de Cameroun Web vous propose ci-dessous quelques séries de ses déclarations. La MRC est ma maison. Je n'ai pas trahi la lutte. Personne ne sait ce que je vis en ce moment. J'ai été informé qu'il m'est interdit de quitter le territoire camerounais et pourtant je suis en Côte d'Ivoire. Si je garde le silence, ce n'est pas parce que j'ai trahi la lutte, contrairement à ceux qui le pensent. Je ne trahirai jamais notre lutte, donc je ne coopérerai jamais avec ce gouvernement. Ce que le régime essaie de faire aujourd'hui, c'est de nous classer et de réduire notre force commune et notre champ d'action. Je suis sous beaucoup de pression.